Oui, Vanella, comment tu vas, ma petite soeur chérie? Ça va bien. Enfin, tu es toute seule sans merveille. Elle est où? Ah, longue histoire. Tu sais, ma chérie, parlons d'autre chose. J'ai décidé de quitter Ruth. Et j'ai trouvé la solution. La solution? Oui, j'ai décroché un jackpot. Ah, ma chérie, un Américain. Né au Congo par erreur. Tu vois, ça sent quoi? Yeah! Un Américain né au Congo par erreur. Sérieux, quoi. C'est du jamais vu. Bon, bref. C'est seulement une émission à ne pas rater, hein. Télé-réalité, je vous dis. Télé-réalité. Bref, de toute façon, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Il y a des menteuses, des menteurs, des hypocrites. Bof, moi, c'est pas mon problème. Je suis là, je vis ma vie. Bon, je vous laisse, hein. Moi, je vais voir mes copines. Hey, Vanessa. Ta sœur, elle est là, quoi? Comment pas t'occuper d'elle? Laisse-la partir, c'est même bien comme elle est partie. Comme ça, elle ne va pas être là à tant d'autres conversations. C'est même bien. Ok. Ah, le gars s'appelle Best Man. Ma chérie, c'est le fils de l'ambassadeur du Congo en Amérique. Imagine. Waouh, ma chérie. C'est une occasion à saisir. Mais, ah, Jésus. Mais quoi? Tout à l'heure, là, tu étais joyeuse. C'est Vanessa, j'ai menti au gars que j'étais la fille de papa de merveille, Albert Onguma. Où est le problème? Tu sais, Vanessa, le problème est que mes parents sont pauvres. T'inquiète, ma chérie, tu as mon soutien. Demain, tu reviens ici, je te donne 150 000, ok? Ok, ma chérie, tu es un amour. Que je suis ici. C'est ta soeur qui m'a dit que tu travailles ici. Et ça peut pas attendre? Non, ça peut pas attendre. Divine, que se passe-t-il? Non. Tiens. Liste de la dot. Présentation. C'est un casier de bière confondu. Bouchon 10 000. Une dame Jeanne de vin rouge. Bouchon 60 000. Un bidon de cham pur de Wando. Premier vin. Six vestes, six lampes lucioles, couverture pour maman et papa, une somme de 100 000 en espèces. La dot, côté paternel, 45 casiers, veste pour papa, tramotina, 3 tramotina. 4 cartons portés. C'est bien ça. 4 plasmas 42 pouces. Ah, ça. 2 vélos de Jakarta. Tocos. Téléphone Android 20K. 2 baignoires 16. Hmm? Carburant plein. Ah. Un groupe électrogène en cas de coupure.
Sans oublier une somme. Non, une tablette de 64 gigas. Et une somme de 200 000. Et le total fait 34 millions pile. Signé mon frère Blondie. Divine, dis à la personne qu'il n'y a pas de faute. Vraiment, la liste elle est claire, il n'y a pas de faute. Alors, si c'était, quand je devais corriger les fautes, il n'y a pas de faute. Vraiment, l'orthographe elle est bonne. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pour moi, j'ai lu. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Quand mais qu'est-ce que j'ai quoi, fait? Quoi, tu veux faire semblant? Semblant de quoi? Je te dis que c'est pour toi, ça revient chez mon frère. Donc, la dot, là, bon. Donc, la dot, c'est pour moi. Oui. Je donne 2 mois pour venir m'épouser. Je te rappelle que le total, c'est 34 millions. Après. Et, Divine, je suis un simple maçon. Et tu penses qu'en 2 mois, je peux rassembler ces 34 millions juste pour t'épouser? Pardon, je me trouve le yakpa. Divine, attends, tu oublies les paramètres ou quoi? Hein? Et tu penses que moi, en 2 mois, je vais rassembler 34 millions? Mais tu es folle! Si tu n'as pas de moyens, tu restes dans ton coin! Eh, on t'a dit que le mariage, c'est comme ça? C'est comme ça que ça se passe? Hein? Divine! Regarde, ne m'énerve pas! Faut pas m'énerver! Et donc, tu es sérieuse au fait? Tu es sérieuse? Tu crois que je blague? Divine, écoute, c'est bon. Je vois qu'on est parti du mauvais pied, ok? Donne-moi 2 mois pour la présentation et je te jure que je le ferai. Au moins la présentation. Commence. Tu es malade! Divine, il te dit que tu es malade. Malade parce que je te demande de commencer par la présentation. Oui. Quand tu me vois, je veux les 2 mois pour la présentation. Écoute, moi j'ai pas besoin de présentation d'autres. J'ai besoin d'une union libre. Tu comprends pas? Union libre, il y a quoi qu'on a papa Nao. Toi tu vas vendre votre parcelle. Si tu me pousses pas dans 2 mois, oublie-moi. Je vais vendre quoi? Votre demi-parcelle. Ma demi-parcelle. Si tu m'aimes, tu le feras. Le seul héritage de mes parents. Jamais. Okay. Jamais. Okay. Divine, non. Okay. Écoute, s'il te plaît. S'il te plaît vraiment. Divine, ça, c'est pas une raison qu'on doit se quitter. D'accord. C'est bon. Prenons une conclusion juste. 2 mois, je vais t'épouser. Je te jure. Je te jure, Divine. Je te jure au nom de Jésus, je vais lui t'épouser. Dans 2 mois. La présentation, je jure. Je suis malade. Écoute, je t'ai déjà dit, tu as 2 mois. Si tu ne le fais pas, oublie-moi. Divine, je t'aime. Divine. La mama bele la bele la bilima na bele la ya bele la bele la bilima na bele la ya bele la bilima ya mai na bele la ma bele la bilima na jamba na bele la oui, souhaite-tu cambici. Ici, meilleur des enfants, meilleur matériel, meilleur des enfants, meilleur Jacqueline, meilleur des enfants. Je vous incompte. Répondez à l'exemple de votre fille chargée d'Isfil, mettre embouteillage, bin machine. Oui, j'ai chopé 4 à cause de la machine. J'ai vendu mon sort à cause de la force. Oui, répondez. À vous, grand maître. Bonjour, grand maître. Bonjour, mon fils. Tu es venu ici à cause de ta femme divine. Oui, grand maître. Tu calmes ici, calmes ici. Passe ta soeur ici, mon fils. Sois-toi. N'aie pas peur. Non, grand maître. Ici, tu trouveras la solution de ton problème. Tu veux la dominer? Bien sûr, grand maître. Oui, je vois. Tu as la volonté. Moi, j'aime les courageux comme toi, mon fils. On va voir. Thank you.
Tu as sa photo dans ce livre-là. Donne-moi ça. Donne! C'est elle, divine. Grand maître, c'est elle. Que veux-tu que je fasse? Maître, qu'elle soit dominée à 90%. Qu'elle me donne de l'argent à chaque rencontre. Bon, c'est parfait. Dépose 10 000 francs ici pour les obsèques et pour l'accomplissement de ce travail. Franchement, j'en ai assez. De quoi? Tu comprends? Divine, attends, qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Hein? Je bricole là juste pour te nourrir. Je me bats corps et âme juste pour te vêtir. Et c'est comme ça que tu me remplis, c'est ça? C'est ça la monnaie que tu me donnes? Et tu trouves ça suffisant? Écoute, Divine, c'est pas ça le plus important ou pas? Ah bon? Écoute, Divine, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Va droit au but et là de me compliquer la tâche. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Depuis que tu as connu Merveille, tu as complètement changé. Rien de Merveille. Écoute, Merveille te gaspille. Tu dois comprendre ça. Elle te rend pas service. Écoute, Divine, si c'est parce que je suis incapable de te donner ce que tu veux, bébé, s'il te plaît, comprends que moi-même, je n'ai rien. Je suis qu'un simple maçon, je me bats. Quand tu n'as rien, on reste chez soi. Divine, je t'aime bébé, tu comprends pas ça? Pourquoi tu peux pas comprendre que je suis amoureux de toi? Tu veux quoi? Divine bébé, je t'aime. Malgré tout ce que tu me fais, je t'aime. Je t'ai connu comme tu es, je t'aime comme tu es. Ça sert à rien de se forcer la vie, s'il te plaît. Tu m'as appelé, tu m'as fait passer, je ne sais pas, un Américain qui m'appelle beau-frère. Oui. Quoi? Je sais que parfois tu es colérique. Mais qu'est-ce que moi je t'ai fait pour mériter tout ça, Divine? Ça fait 4 ans, regarde, 4 ans passés ensemble. Ah, ça y a pas honte, c'est quoi? Divine! Sors, mon fils! Va! Ne regarde pas derrière! Divine, oh, je me jetais de l'eau. Bébé, qu'est-ce que je t'ai fait? Divine, qu'est-ce que je t'ai fait? Bébé, mais je t'aime. Pourquoi tu ne comprends pas que je t'aime? Divine, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Tu oses faire ça à moi, Rudy Lianga? Ah! Mais tu es ingrate, Divine. Tu vois? C'est bon. Merci, mais donne mon nom, son nom. Divine, merci. Toi aussi, tu l'encourages, non? Non, c'est un vote de merci. Mais Divine, tu vas payer tout ce que moi je dis. Divine, mais pourquoi tu as fait ça? Mais vraiment, je suis désolée.
Écoute, je l'aime plus. Je veux plus le voir ici, là. C'est pas ton problème.